ce que finalement j'ai décidé de faire au bout du compte, c'est que je vais te filer une caméra. D'accord. C'est l'histoire de... toi avec ça. C'est l'histoire des Comment Super 8 qui marchent pas, c'est l'histoire de... Il n'y a pas assez de lumière. Bah, alors, celle-là, je te la file en premier parce que c'est excessivement simple. C'est-à-dire que, tu vois, tu as un bouton sur le côté, là. T'as un seul bouton sur le côté. Celui-là ? Ouais. Quand j'appuie dessus, je me filme. Et quand t'appuies dessus, ça filme. Et je vois mon reflet, là, ce que je filme. Alors, il faut que tu tendes les bras parce que, malheureusement, elle a pas un... Ou je la pose. Bah, tu peux pas, celle-là, parce que il faut appuyer dessus, tu vois. Ah, bah oui. En fait, celle-là, je te l'ai filée parce que... Là, je filme, là. Ouais, dès que t'entends le petit bruit, tu filmes. Combien de temps, alors ? Écoute, ça dure 3 minutes, en 5 minutes, on va dire, la bonne nuit. Donc, et je fais combien de fois ? Alors, bah, l'idée, c'est que tu filmes ce que tu veux. Là, par exemple... C'est nul. Pas du tout, c'est très bien. Mais si c'est bien ou pas, on le saura, en fait... Puisque j'ai 5 minutes de bobine, faut que tu me files des bobines, c'est ça ? Je vais t'en filer plein, de films. Et il faut que j'essaie de le faire tous les jours. Non, c'est ça. C'est que tu filmes surtout ce qui te paraît intéressant à être filmé. Et toujours pareil, je me filme moi. Tu te filmes toi si tu penses que c'est ce qui est intéressant à ce moment-là. Et si ça t'amuse vraiment, je te filerai aussi un petit magnétophone numérique pour pouvoir faire du son. Là, il n'y a pas de son. Non, Super 8, il n'y a pas de son. Jamais. Je vais faire des images aussi, bien sûr. Là, on est en avril, la finale de la Coupe du Monde, je ne sais pas c'est quand en fait. Le juillet. L'histoire du film, je ne la connais pas. Mais on verra après ce que ça va donner. Ok. Voilà l'histoire du truc. Mais l'idée de se filmer tous les jours, toute la vie, en fait, c'est intéressant.
Ouais. Mon vélo, vous voyez, est-ce qu'il est en panne? Non, elle n'est pas en panne. Alors, si là, on allait tous les deux au Havre, tu ferais quoi comme itinéraire? Le Havre? Ah, j'ai filmé quand même un peu parce qu'on va... Si je devais t'emmener pour te faire découvrir le Havre, ouais. Alors je t'emmènerais discrètement où je suis né. Enfin, pas où je suis né, où j'ai vécu quand j'étais petit jusqu'à l'âge de 11 ans. Après, on a déménagé pour aller pas très loin. Et la mer, non? En fait, quand t'es dans un quartier, c'est très bizarre, tu vas pas à la mer. C'est culturel en fait. Et tu n'as pas ce réflexe d'aller à la mer. Je suis au lycée qui est juste à côté du stade donc de la Cave Verte, c'est le lycée Claude Mollet. Donc, ce qui permet d'aller vite à l'entraînement. Et la première année professionnelle, donc la deuxième année à jouer avec les pros, au cours de l'année, je rentre dans l'équipe, je ne ressors plus jamais. Et là, Domenech me sélectionne en espoir. Et donc, c'est vraiment tout début de saison, tout début de ma génération. Et ça dure 2 ans jusqu'aux Jeux Olympiques. Dégage d'arceau, fais des gestes techniques, Momo, vas-y. Attends, regarde. Vas-y, Momo. Regardez, monsieur. Vas-y, regardez, monsieur. J'ai du mal à parler de mon entraîneur. Moi, je joue pour lui, quoi. Il m'envoie en mission, j'ai l'impression, à chaque fois. Tu vois, c'est très étrange, la relation que j'ai avec ce mec. Mais c'est la relation que j'aime. La relation que je veux avoir avec quelqu'un. Regardez, monsieur, attends, quoi, ça c'est pour toi, Vicage, quoi. Ce qu'il a envie que je fasse, je sais très bien, c'est de sonner la charge. Sonner la charge, c'est prendre le ballon et y aller. Il sait que ça, je l'ai, quoi. Il sait que parfois à l'excès, j'ai tendance à prendre le ballon et à créer quelque chose, quoi. C'est qu'il se passe quelque chose. Voilà, donc. Il croit en moi pour ça, je crois. Ça au couloir. Oh, c'est le beurre, donnez. 27 mai 2006, match de préparation France-Mexique au Stade de France. Vicache remplace Zidane sous les sifflets du public. Ce qui est très paradoxal en fait, c'est que ces gens-là qui viennent au stade, qui m'ont sifflé, qui m'ont détesté, je suis sûr que c'est des gens que j'aime et que je défends. C'est ça. C'est eux que je défends, moi, ces gens-là, parce que j'imagine que les gens qui viennent au stade, c'est des gens qui font partie de la masse, qui font partie des gens qui viennent des quartiers, du milieu d'où je viens. Et c'est ces gens-là que je défends, moi. C'est ces gens-là que j'aime, et c'est ces gens-là que, même si j'ai peut-être rien à voir avec eux, je sais pas, mais en même temps, c'est... moi, le milieu, enfin, que ce soit politiquement, socialement, enfin, tout ce que tu veux, c'est ces mecs-là qui défendent, quoi. Mais en même temps, finalement, je ne ressemble pas plus, peut-être. C'est paradoxal, mais il n'empêche que je continuerai à les défendre. Quoi. Enfin, moi, je suis le mec qui pique la place à un tel. Et je suis le mec qui remplace en plus Zidane à la je ne sais pas combien tième.
Et tout le monde attendait Ribéry, tout le monde attendait surtout pas moi. Juin 2006, l'équipe de France s'envole pour l'Allemagne. Oui, dans le pire, moi, franchement, personne ne va m'enlever ce bonheur-là, quoi. Je suis dans le V23, moi, j'y suis pour jusqu'au bout, quoi. Donc, faites ce que vous voulez, j'y serai jusqu'au bout, quoi. Je joue, pas. C'est finalement pas très grave, quoi. Le 13 juin, Vikash a joué 10 minutes contre la Suisse. Le 15, je le retrouve à l'entraînement à Hameln. Je te ramène les films tout à l'heure. Bah ouais, super, moi je peux rentrer. Je confirme ça, hein, parce que des fois c'est des huis clos ou des trucs comme ça. Théorie, je pense pas. Il arrive. Je n'ai pas un truc qui n'est pas pour son caméra. Putain, j'ai oublié de prendre les trucs. T'as pas fait les coups? Ah, j'ai oublié. Mais je peux te les filer tout à l'heure. Après l'entraînement, si tu veux, je te les file. J'en reviens. Comment? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire alors? Ils sont deux là. Ils sont que deux. Le cours, je dis que c'est un journaliste qui arrive français. Et on se retrouve après l'entraînement. Parce qu'en fait, c'est ouvert à la presse pendant le jeu. Ça va être ok, ça va être ok, très bien. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous liriez « c'est bizarre ». Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé les langues de chat en silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez ça était. Vous n'auriez qu'un mot à dire dans la rue, la journée, pour vous servir d'acolyte, j'aurais mon parapluie, qui sait. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues du chat en silence. Après le débat, comme dit Casanova, regarde un peu des matchs. Ouais, là, j'ai pas allumé. Je crois qu'il y a le Portugal qui joue. Hein. Ouais. Et ouais, je regarde un petit peu les matchs. Mais bon, c'est tout le monde est toujours entre deux. Donc on regarde des petits matchs.
Ouais. Bon, pour l'instant, c'est pas très très. C'est plus tard, ça doit être intéressant plus tard. Hein. Ouais, et puis c'est bon, c'est pas facile, on peut pas, en fait, on peut jamais sortir des. La caméra, je la sors vite fait, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Tôt, personne ne me capte. Bon, ben, en même temps, là, ils la voient tous un peu, ils disent. Bah, les couloirs d'hôtel, là, c'est. En fait, il y a plus de monde dans les couloirs qu'ailleurs. Il y en a toute la sécurité. Ah ouais, non, c'est. Protection. Moi, j'imagine que c'est tout le temps comme ça, une Coupe du Monde. Mon logeur, M. Wissner, est électronicien. Il répare une de mes caméras. Warum super hart? Weil ich. Habe das Film ja. So gern. Aha. Ist nicht. Aha, alles klar. Ist Super 8 besser? Ja. Ach so, für mich ist gut. Es besser. Ja, okay. Dann heute alles digital, ne? Alles digital heute, Kamera. Ja, aber digital ist nicht mein. Mein Fall. Mein Ware. Ja, genau. Also ist das ein Super 8 Spezialist. Mhm. Und was bedeutet das Super 8? Was hust du jetzt? Warum qualmt der? Ja, weiß ich auch nicht. Ah! Hast du was ineinander? Nein! Oh. Ja. Was hast du gemacht? Ja, ging es. Nee, der Akku ist das. Kurzschluss. Oh, ich hoffe, das geht nicht gut. Warum ist das so in den Arsch? Le 18 juin, je pars à Leipzig où l'équipe de France rencontre la Corée. T'as failli marquer un but contre la Suisse. Ouais, même si je l'ai mis au fond, ça peut peut-être changer pour le prochain match, je sais pas, c'est vrai que... À 10 cm près, ça change tout, ouais. Ouais, disons 20. 20 cm, ouais, c'est ça, ouais. Et que la gloire se joue à 20 cm, c'est ça? Ouais. Bah, tu sais, ce qui est marrant, c'est que dans ce genre de truc, tu es sur le banc, tu dis putain, c'est chier, mec, en fait 10 minutes. Et à la fin, quand tu finis le match, tu dis putain, faire 10 minutes comme ça, c'est cool, quoi. Ouais. Tu plein de ballons, tu. Parce que les mêmes 10 minutes, tu peux les refaire dans un autre match où tu vois pas le ballon. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça qui est un peu. Bon, j'étais content de mes 10 minutes, ça me fait plaisir. Non, mais j'ai hâte, là, ça va être bien. Leipzig, là, je suis content d'être là, moi. Ouais. Bah, surtout, moi, je pensais jouer un peu plus. Ouais, bah oui. Bon, ça, c'est pas très, très. Je me dis qu'il y en a 7 ou 8 qui n'ont pas du tout joué et qui vont peut-être pas jouer. Il y en a 30 derrière qui auraient voulu être là. Et... Après, j'arrive, le troisième match, il risque d'être décisif aussi. Donc, c'est pas pour ça que si on avait gagné le premier match, c'était sympa. C'est que le troisième match, tout le monde pouvait jouer. Oui, et puis moi, c'est ce que je me disais au départ quand je démarrais pas. Je me disais, de toute façon, souvent dans les Coupes du Monde, c'est pas l'équipe qui démarre qui va au bout. Hein. Mais c'est tellement long, c'est tellement. Je me dis qu'il compte sur moi quand il arrive, quoi. La France fait match nul contre la Corée. Vikash a joué 6 minutes.
Non, mais quand on voit, puis moi, c'est vrai que moi, ça me pèse pas d'être là dans ma chambre, d'être là. Mais c'est ce que tu me disais, hein. C'est vrai que la vie sans vie domestique, c'est quand même extraordinaire. Et j'aime bien, là, parce que tu vois, j'ai pas beaucoup de douleur, je me sens, c'est que finalement, je me sens bien, quoi, tu vois. J'ai qu'à penser au foot, j'ai pas trop de. Mais avec, j'ai pas trop à me soucier d'Emilie, les enfants, voilà. Bah ouais, bien sûr. Et toi, tes logeurs, alors, ils vont bien? Ben écoute, ouais, ils sont en train de devenir de plus en plus les héros de mon film. Ah ouais. À la fin, ça va finir sur un, plus d'un film sur la Coupe du Monde, pas un film sur les logeurs de Fred Poulet. Bah peut-être, non mais en tout cas c'est assez marrant parce que j'imagine, enfin je sais pas ce que tu filmes, mais tu dois avoir à filmer des choses comme, je sais pas, les golfeurs, tu me disais, toi dans ta piole. Et quelque part... Enfin, c'est ce qui se passe devant ma chambre, mais... Voilà, c'est ça, mais quelque part, moi je suis dans un quartier, c'est un peu Twin Peaks, je dirais. Il se passe rien dans le monde, et en même temps, j'ai l'impression qu'ils sont tous organisés, il ne se passe rien. Dehors, c'est quoi ça? On est en train de partir à Cologne, là, en car. Hier, j'ai dormi toute l'après-midi. Surtout que je ne dors pas la nuit, alors sur la preuve, dans la journée, je vais arrêter ici, là, je vais me coucher tout ce soir. Et toi, tu pars quand, toi? Je te mettrai le billet, j'ai les billets, mais je te dirai où c'est, il faut les récupérer. Et mais vous êtes parti déjà, là? Oui, on est parti, ouais. Ah, d'accord. T'es dans le bus? Bah, tu feras le départ pour les huitièmes de finale, alors. Exactement. On va espérer, on va croiser les doigts, hein. C'est pas fini déjà. On sait jamais. Hein. Bah ouais, j'y crois. Oui. Bah ouais, bah c'est quelque chose. Non, mais vous allez passer là. Bon, ok, bah j'essaie de te rappeler cet après-midi si tu veux qu'on fasse un son ou si tu veux. Ben avec plaisir, ouais. Ok. Quand tu veux. Bon, bah à tout à l'heure. Bon voyage. Ça va, ciao. Le 23 juin 2006, match France-Togo à Cologne. Le match est décisif pour la qualification au deuxième tour. Fikash ne jouera pas du tout. Mais dans cette histoire, c'est quand même pendant un an. Nous, on était là, on a fait un truc. Moi-même, pendant un moment, j'étais mis en avant parce que moi, j'étais un peu le seul à créer un peu. Et on s'amusait bien, tu vois, en fait, finalement. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, on posera des questions. Puis voilà, moi, ma Coupe du Monde, c'est quoi? C'est ma chambre et des trucs de poker, alors que pendant 2 ans, j'ai été titulaire de cette équipe, tu vois. C'est quand même très étrange. Ouais. Ben, tu sais, on est en train de faire un film là-dessus. Bon, ok, il faut que j'y aille. Moi, en fait, ils m'ont appelé. Non, c'est pas pour jouer au poker, je vais me faire masser. Tu voulais pas faire les plans? Ouais, ça, à quelle heure ça t'irait? Ce matin, nous on a une réunion à 11h30 et j'ai le repas à midi et demi, donc vers midi, je pense que ça devrait être bon. Une demi-heure. Et puis si jamais j'ai pas le temps, je mange 8 mois, de toute façon le repas ça dure 10 minutes, un quart d'heure, donc... Ok, ben écoute, ce que je fais, c'est que je viens à midi devant le château. Voilà. Et puis je t'appelle quand je suis là, d'accord? Ok, ok. Bah là, je sais pas où je suis, là. Là, tu vois la flotte qui est devant le château? Ouais, c'est là que je suis, moi. D'accord, ok. Où il y a vraiment les douves, quoi, en fait. Ouais. Il y a un petit muret qui fait un... Tu vois, t'as un t-shirt bleu, non? Non. Non, j'ai un t-shirt vert. Si tu veux, ouais, il y a un arbre qui est dans un petit arrondi qui s'avance dans l'eau, tu vois.
juste en face de la façade. Ouais, je vois l'arbre là. Ah, bah, je te vois là, tu vois par exemple. Tu me vois? Ouais. Et si tu par peux. Par rapport à moi, sur... t'es où? T'es sur la droite ou sur la gauche? En face de toi. Mais ce qui serait super, c'est que t'ailles sur le petit muret où il y a l'arbre. Tu vois, retourne sur tes pas, je te vois là. Où? Là. Ah d'accord, ouais, donc tu veux que j'aille comment? Ben, tu vois, derrière toi, il y a un arbre avec un petit muret rond. Celui-là, là? D'accord, ouais. Tu veux que j'aille là-bas? Voilà, carrément. Voilà, c'est magnifique. Bon, ça va? Ouais, attends, je vais zoomer quand même. Je te vois un peu. Alors voilà. Ouais, impec. Je te vois de loin quand même, hein, mais bon, je te vois un peu. Ouais, mais moi j'ai un zoom plus puissant que le tien, tu vois. D'accord. Bon, t'es heureux? Pas malheureux. Non, j'ai les boules d'avoir eu mal à l'adducteur là, donc. Sinon, il te faisait rentrer. Je suis en train de te chercher avec le zoom là. Hop. Enfin, j'ai plus de pellicule moi. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. C'est moi qui te filme maintenant. Et ouais, en fait, il m'a demandé si je pouvais, si c'était bon quoi pour rentrer. Je pense que j'allais rentrer à la mi-temps, peut-être à la mi-temps, peut-être un peu plus tard, mais j'allais rentrer. Et en fait, j'ai mal à l'adducteur et donc après, il a pas pris le risque. Et bon, il a bien fait parce que c'est un match important, mais j'avais vraiment les boules, quoi. Bah ouais. Mais bon, en même temps, on est qualifié, c'est quand même le plus important. Tu peux jouer encore 3 matchs, quoi. Ça a encore ajouté un truc et c'est encore un truc contre lequel je dois me relever encore une fois, tu vois. Bon, en même temps, c'est pour ça aussi que je me plains pas trop ici, quoi. Ici, je joue plus rien. Je joue pas mon futur contrat, je joue pas ma carrière, je joue pas ma place en équipe de France puisque j'y suis. Ouais, en fait, je joue plus du temps de jeu, ma fierté peut-être, faire plaisir aux gens qui ont envie que je joue. Voilà, en gros, c'est un peu ça, quoi. J'ai joué ma peau dans ma carrière, j'ai joué mon contrat, j'ai joué ma. Voilà, là c'est pas ça. Je sentirais pas bien quoi de qu'on m'ait volé ma Coupe du Monde. Mais je vais rentrer demain et il va se passer quelque chose encore une fois. En tout cas, je me sens assez en forme pour que. j'ai des fils, je vais te les ramener. Bah là, moi j'ai un sac en fait. Ah, et tu viens vers moi? Ouais, je viens vers toi. Ouais, ça marche, je t'attends. J'avais pas compris que t'arrivais par là. Tu les balances par-dessus? Ah, c'est vraiment en temps de guerre là. Attends, je vais arrêter la caméra et je vais te dire que tu me lances loin au milieu de la route parce qu'il n'y a pas de bagnole. J'arrive. Putain, j'ai bien visé. Magnifique. La réalité, c'est ça. C'est pour m'enterrer. Et je sais pas pourquoi. Et on veut plus me faire jouer. À ce niveau-là, il reste du temps. Il y a vraiment des occasions. Enfin, à chaque fois, ça peut être la dernière. Donc aujourd'hui, c'est une des dernières. C'est ça. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, quoi. Je veux dire, il y a des choses qui se sont passées visiblement entre vous qui existent, quoi que tu fasses. Ouais, c'est pour ça que je le respecte et je dirai jamais rien sur lui ni quoi que ce soit. Mais finalement, il a cédé comme d'autres ont cédé par rapport à moi. Ouais.
Entraînement à huis clos à Herzen. On se voit tout à l'heure, hein. Ben écoute, ouais, moi je vais venir à l'entrée, puis si c'est fastoche pour toi, je rentrerai avec les journalistes. D'accord, ok. Sinon, c'est pas grave, je filmerai le car. Le 27 juin, la France rencontre l'Espagne en huitième de finale. Je pars pour Hanovre. Bah là, c'est parti pour que ce soit douloureux, quoi, parce que vraiment... Toi, t'es dans une situation quand même vraiment particulière, quoi. Avec... Bah, le truc, c'est ça, quoi, c'est que... C'est l'impression que j'ai, c'est d'avoir... bah oui, je suis un peu son fils. Et puis pendant deux ans... Il m'a entraîné pour je sais pas moi, gravir une montagne, tu vois. Oui. Et le jour où il faut la gravir, il va prendre le fils du voisin. Il est enfermé dans la maison et je sais pas pourquoi. Ouais. Pourquoi finalement il va prendre le fils du voisin alors que c'est moi son fils, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et j'ai l'impression que c'est ça, quoi. C'est que, enfin, c'est trahison, quoi. Moi, le seul truc qui va qu'ils comprennent, enfin, lui faire sentir que de gagner, de faire son truc, c'est bien, mais de trahir les gens, c'est horrible, quoi. C'est pas de lui dire, voilà, pourquoi tu me fais pas jouer, moi, je m'en fous, quoi, finalement. De lui faire sentir que bah, il est en train de me trahir, et ça, c'est pas humain, quoi. Enfin, c'est pas. C'est juste ça, quoi. Moi, qu'ils me disent, ouais, je te fais pas mieux parce que l'autre, il est meilleur que toi, parce que j'ai choisi, enfin, je m'en fous, quoi. Les mecs avec qui je me suis pas entendu, et je m'en foutais complètement, j'en ai eu. Ouais. Tu vois. Mais des mecs que moi, finalement, j'ai estimé, c'est finalement presque le seul que j'ai estimé qui m'a trahi, parce que des mecs que j'estime qui m'ont pas trahi, il y en a aussi, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Tu crois que c'est possible de lui parler? Ah oui, c'est possible de lui parler. T'hésites à le faire, en fait? Bah là, je sais pas. Oui, si je le fais, faut que... Voilà, moi, je sais pas. En fait, ce que je voudrais dire, c'est ça, quoi. C'est pourquoi m'avoir fait croire plein de choses pour finalement... finalement, bah pour... oui, pour m'écarter complètement, quoi. Zwei Bratwurst und zwei Bier, bitte. Zwei Bier? Zwei Bier?
Bon, vous faites une petite promenade. Là, on va aller, ouais, à chaque fois, le matin, je fais des matchs, on va dans un sas. D'accord. Tu n'es pas obligé de tenir la main d'un de tes petits camarades ? Non. Bon. Vraiment, c'est interdit. Les téléphones sont interdits. Tout le monde a son Walkman, tout le monde a son téléphone. Bon. Ça va, t'as le moral, sinon ? Ouais, ça va. Oui. Bon. Mais je veux dire, ce qui est marrant, mais ça, j'ai jamais pu le filmer, c'est qu'en fait, quand on arrive aux hôtels, nous, dans les hôtels, on passe toujours par les cuisines, par les entrées de service, quoi. Et avec plein de sécurité de partout, et hop, on va directement dans vos champs comme ça, on repart comme ça. C'est trop marrant, mais j'avais plus de filmer, ça. Ouais, parce que tout le monde est là, quoi. Ouais, tout le monde est là, tout le monde est avec moi, donc j'ai dans mon cul. Ouais. Ça va, tu filmes un peu encore ? Ouais, je filme à chaque fois que je change de chambre, je change d'hôtel, je change de stade. Par contre, j'ai pas fait beaucoup de sons, parce que... En fait, dans ma chambre, je parle à personne, quoi. Ouais, bah oui, je m'en doute. Hein. En fait, je te l'ai donné dans l'idée que peut-être un jour, t'auras envie de parler à toi-même. Bah, des fois, je l'ai mis pour t'entendre, en fait, ce que je fais toute la journée. Ouais. Que je pourrais, toute la journée, c'est m'habiller, me déshabiller, me brosser les dents, passer parfois un coup de fil, voilà, c'est ça. Enfin, en fait, c'est des bruits de fond. Oui, mais c'est bien. Ça m'aide, moi, pour monter après. Je commence à avoir monté 20 minutes, là. C'est les premières minutes que j'avais vues déjà l'autre fois ? Non, ce que tu avais vu l'autre fois, ça devait faire 7 minutes, un truc comme ça. Il y en a plus, hein, maintenant. J'ai vraiment hâte que tu entendes un peu, que tu vois un peu de quoi il s'agit. Je voulais te demander, il y a des beaux plans aux entraînements. Qui est-ce qui filme ? En fait, on a des. Il y a deux mecs qui s'occupent de la vidéo avec nous. Et pendant les entraînements, j'aurais mis la caméra. Donc, je fais ce que vous voulez. Le stade, les entraînements, moi, les autres. Vous filmez ce que vous voulez. Puis on verra ce que ça donne. Quoi. Fait des beaux plans, le mec. T'as parlé avec Domenech ? Ouais, j'ai parlé, mais bon, voilà, c'est un choix, quoi. Tu vois, il n'y a rien contre moi. Rien... Moi, je suis pas rentré dans. J'ai pris la température, j'ai vu que. Enfin, pour moi, ça m'a pas convaincu, mais au moins, je l'ai fait. Au moins, c'est ce que je me suis dit après. Je me suis dit, il faut pas que je reste avec ça, parce qu'après, j'aurais le regret de pas y être allé. Donc, j'y suis allé. Et puis, pourtant, voilà, il m'a dit. Qui, finalement, c'est pas tellement ce qu'ils allaient me dire. Ce qui était important, c'est que moi, je lui dise, quoi. Voilà, maintenant, je l'ai fait. Au moins, je peux continuer mon tournoi tranquillement, quoi. Mais lui a pas voulu rentrer dans l'aspect, enfin, humain des choses et... Ouais, non, mais je lui ai fait comprendre, quand même, quoi. Ouais, mais, en même temps, ce qu'il me disait, c'est aussi vrai, quoi. Voilà. Mais par contre, il a vu que j'avais... Parce qu'en fait, je crois que j'ai... Avec quand il est venu, on est allé se mettre boire un verre sur une terrasse, tu vois. Ouais. À l'hôtel. Ouais. Et il y avait toutes les caméras, comme il savait que les femmes étaient là et tout, ils étaient tous là. Donc, ça fait que moi, je les ai filmés en train de me filmer. On s'est filmé là, donc... Et lui, il a dû me voir en train de filmer, parce que c'est la seule fois où j'ai sorti ma caméra à l'extérieur de ma chambre. Ouais. Pratiquement. Et il m'a dit, ouais, alors, j'ai vu que tu filmais... Ok, bon, je suis la promenade. Hein. Eh ben, bonne promenade. Et puis, ce soir, c'est les quarts de finale. J'aurai quand même mon maillot d'Orasso sur les épaules. Hein. D'accord. Ok, ciao. Salut, Vikash. On est le... Je sais plus quand on est... Dimanche, je sais plus quoi.
a battu le Brésil hier. Enfin, ils ont battu le Brésil. Alors, je... J'en ai marre de parler tout seul dans ma tête. Alors... Alors, je vais parler à quelqu'un, alors. Alors, je vais parler à toi, Fred, hein, puisque c'est toi qui écouteras ça. Et qu'en fait, j'ai envie de parler à personne, donc... personne d'autre. Je commence à en avoir marre de, d'être là en Allemagne. D'ailleurs, je me demande ce que je suis venu faire à part faire un film. Parce que... ma Coupe du Monde, elle est un peu ratée. Enfin, les postes que j'aurais voulu qu'elle soit. Quoi. Enfin, aujourd'hui, ça va un peu mieux quand même. Mais... il y a 3 jours contre l'Espagne, c'était plutôt envie de pleurer que de rire. Là, ça va, il y a des moments où j'ai envie de rire aussi. J'arrive à relativiser, de me dire que... qu'en même temps, je suis dans les 23, je vis cette aventure-là. Mais... moi, je suis pas supporter, quoi. Je suis pas spectateur. Moi, je suis joueur de foot et je joue pas au foot, quoi. Donc, c'est ce qui me gêne un petit peu. Donc là, j'en ai un peu assez. Et en plus, faut faire illusion, quoi. Faut sourire, faut montrer qu'on est content, qu'on est de bonne humeur. Et ce sera pire après, quoi, en sortant de là. Parce que là, on aura le regard des autres, et là... j'ai même plus envie de répondre au téléphone, d'ailleurs. J'ai même plus envie d'en parler de foot, j'ai même assez du foot. J'ai même plus envie d'allumer la télévision. Donc... j'ai envie que ça se termine, mais en même temps, je suis tellement bien tout seul dans ma chambre, là. Pas de compte à rendre. Et... ça va être dur de revenir sur Terre, quoi. Enfin, au milieu des autres, qui eux, enfin, vont rien comprendre, quoi. Ils sont dans leur truc. Et... mais bon, on fait un film, non? Et au moins, ça c'est. Ça, au moins, j'y crois, donc. Voilà, je. Enfin, le seul texto sympa que j'ai reçu, c'était quand même le tien, quoi. Mais je m'aperçois que tout le monde autour de moi se fait du mal avec cette Coupe du Monde, donc c'est ça qui me rend triste, quoi. Je sais que ma famille est triste, je sais que... mais... je vois bien que c'est pas un moment heureux pour tout le monde, quoi, donc... enfin, pour personne, je veux dire. Bon... je sais pas, peut-être que dans 20 ans, je me dirais, j'y étais, c'était super, je sais pas, on verra. J'espère, parce qu'au moins, j'espère que ça me restera pas finalement tout le temps. Quoi. Qu'est-ce qui était mieux, d'y aller pour vivre ce que je vis ou de pas y aller du tout, j'en sais rien. Je me dis que ça doit être mieux d'être là quand même.
Mais... je passe peu de coups de fil, le moins possible. Et je me parle à moi-même, quoi, en fait. Je repasse les mêmes choses. Je deviens pas fou, hein, ça va. J'ai l'habitude d'être dans une chambre d'hôtel. Même longtemps, ça me dérange pas, mais... mais je sais pas. Tu me dis qu'il va se passer quelque chose, alors je m'accroche à ça, je tiens bon. Mais j'y crois de moins en moins, quoi. C'est ça le truc. Alors, bon, faut sortir de sa chambre quand même. Je vais y aller, pas de problème. Faire face. Je m'aperçois qu'en fait toute ma carrière c'était ça. Faut faire face et être droit sur ses deux jambes et regarder les gens droit dans les yeux, quoi. De pas baisser la tête. Donc voilà, faut y retourner. Je libère une main quand même. Hein? Je libère une main. Je peux pas la libérer, la mienne. Ça va? Mais en plus fort, j'en ai deux en même temps. Ouais, toi, ça a l'air. Ça va, ouais. Bon, faut bien rigoler, on tourne un film. Hein. On va pas tirer la tranche. Hein. C'est même. Y a aucune raison de tirer la tranche, tout ça. Tu crois? Là, je vais la sortir avec la... C'est la première fois que je sors comme ça. Ouais, c'est la première fois. Je finis la pellicule. Je file les films. Je file ça aussi. Je file celle-là, même si elle n'est pas finie. Tu l'as finie? Je la garde. Tu vas finir là-bas. Tu vas finir devant là-bas. Ouais, c'est pas grand-chose. Tiens, j'ai des pellicules sur les fils. Tiens, ce que je reçois, ça marche. Tu vois? Lilian, souris, putain, Lilian. Où le maman? Jusqu'à Berlin, ok? On s'adore. Merci. Merci. Allez, pars. Vas-y, Lilian. On va pas oublier. On se rappelle encore que Joe. Merci beaucoup. Arrête. Je te laisse un truc à l'hôtel. Là, c'est des. Tu vas faire un format guerre au ciel, moi je vais aller filmer votre accord à l'école comme dans le grand film américain. Pas qu'il se crache. Je vais essayer d'être à l'auteur de tes scènes d'aéroport. J'essaie de faire un truc. Ouais. Bon, je crois que je vais garder la caméra à la main. Ouais, maintenant je vais le faire, je me lâche. Regarde ce qui se passe parce que. Prends une photo, je pense. The last one? The last one? Ok. Ok. Bon, Fred, allez. Hein. On ne rate pas l'avion. Bon voyage, Vikash. À bientôt.
25 juillet 2006. L'équipe de France rencontre le Portugal en demi-finale à Munich.
c'est notre dernier jour au château. Enfin. Enfin, on part demain matin. Donc, c'est l'avant-dernier jour. Alors. Voilà, bientôt fini. Sur les trois derniers jours jusqu'à la finale, imaginons qu'on gagne. Il faut que j'arrive à m'approprier un petit bout de la médaille. Alors, je sais pas comment. Voilà, je me dis que j'y étais, quoi, que j'étais dans les 23. Tiens, j'aime bien la chanson. Ouais, voilà, que j'ai quand même qualifié la France. J'ai fait tous les matchs, quoi. Après, on m'a dégagé, mais bon. Voilà, c'est... Ma petite fierté à moi, ce sera peut-être ça, alors d'avoir fait les matchs... les matchs où... voilà, en Irlande, en Suisse, contre Chypre, en Israël, voilà, tous ces matchs-là, ces matchs... où... voilà, j'ai participé à cette belle aventure quand même si j'ai pas eu le droit au dessert en fait. On m'a privé de dessert en fait, je crois que c'est ça l'image. J'ai bien mangé, mais il manque mon petit fondant au chocolat. Je crois que c'est ça le problème. Bon, bah, c'est pas grave, je le mangerai en rentrant. Et je crois que mon fondant au chocolat, c'est peut-être le film. Voilà, c'est ce qu'il faut que je me dise. Mais bon, faut sourire, quoi. La musique est belle et sympa, donc voilà. À plus tard, ciao. Donc on y est, finale de la Coupe du Monde, on est le 9 juillet 2006, voilà, on va aller jouer l'Italie, on vient de faire la causerie d'avant-match là, je me suis réveillé de bonne humeur, hein. Je me suis réveillé et j'ai envie de la lever cette coupe, donc voilà, on va faire le max, hein. Ça va être un grand moment. Je crois qu'il y a 80 000 personnes, il y a 3 milliards de personnes qui regardent le match. Enfin, je sais pas, 3 milliards, j'exagère. C'est beaucoup, je crois. Un peu moins. Enfin, c'est énorme, quoi. Voilà, finale de Coupe du Monde. J'ai la chance d'en faire une. On n'est pas nombreux à pouvoir... Quand je me dis qu'on est... 23 Français à pouvoir faire la Coupe du Monde tous les 4 ans et que tous les 4 ans il y a donc 50 joueurs, 40 joueurs qui sont en finale d'une Coupe du Monde, et moi je suis dans ces rares joueurs à pouvoir vivre ça, donc je suis content plus. La causerie était assez bonne, assez motivante, allez, on y va, je vais mettre mon costume, me faire beau et j'espère que je vais la lever. Voilà, à tout à l'heure, ciao. Thank you.
Ich bin gefahren.